J'ai imaginé l'expo comme j'ai imaginé mes livres et mes histoires en général. Bon, la plupart des gens ne connaissent pas tout de ce que j'ai fait, mais je voudrais que les gens qui découvrent, et même les gens qui connaissent déjà, soient déboussolés, soient perdus en route et arrivent à retomber sur leurs pas par l'intuition, juste en se servant de leur sens et pas du tout de leur cerveau. Ce qui m'importe, moi, dans cette exposition, c'est vraiment la sensation. C'est d'arriver à une espèce d'état mental un peu flottant, un peu comme dans un rêve, en fait. L'exposition serait un peu comme un rêve qu'on fait, où on est un peu perdu, on comprend pas tout, mais on ressent des choses. Le principal travail, je pense, c'est d'arriver à traduire ce que j'ai à l'intérieur de moi en mots. Et il faut que ces mots contaminent le dessinateur ensuite et que ça génère en lui ses propres images, ses propres émotions. Et ensuite, on voit à la fin la fusion de nos deux visions, ce qu'elle donne. Et si l'opération est réussie, on se retrouve tous les deux, le dessinateur et moi, on se retrouve dans cette chose-là qui nous ressemble et qui ne nous ressemble pas. En fait, qui est une troisième entité à part.